Émission solidaire d'abord, une émission après le deuxième tour. Que dire exactement les résultats du deuxième tour, hein. Déjà, apparemment, les médias mainstream ne nous ont pas donné les résultats complets, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas parlé de l'addition de les gens qui se sont abstenus, plus les votes blancs, plus... Et quand on va au total de tout ça... abstention plus vote blanc plus vote nul, 36,7% des voix. Macron, 37%. Il est juste au-dessus. Il est juste au-dessus de... Il y a les gens qui ont refusé d'aller voter. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a été élu avec un peu plus d'un tiers des personnes inscrites. Rassemblement National, 26,3%. Donc il y a une personne sur quatre... que vous croisez dans la rue. Et la France Insoumise, 22, je crois. Ouais, premier tour, ouais. Voilà. Donc, voilà, on en est là. Oui, mais 22, là, c'est pas rapporté avec aux inscrits. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Aux inscrits, c'est peut-être 16 ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Bon, voilà, alors, émission aujourd'hui, mais c'est une émission pour tout, puisque on a dit qu'on allait surtout parler de tout, en fait. Il y a les législatives qui se profilent, il y a tout ça. Vous avez envie de parler de quoi? Alors toi, tu étais sur le truc écologie. Hein, oui. Florence. Je voudrais revenir justement un petit peu sur cette entre-deux présidentielle législative qui manifestement a mis de côté les débats qui sont quand même au cœur justement de nos difficultés du moment, à savoir les questions écologiques et sociales, parce que finalement elles sont intimement liées, enfin me semble-t-il, elles sont intimement liées. Et donc cette espèce de tendance à avoir... travailler pratiquement à bras-le-corps les citoyens avec plutôt un vocabulaire guerrier. Ça avait commencé sous le Covid d'ailleurs, entre parenthèses, mais même pendant l'entre-deux tours, où on a souvent fait passer, et juste avant la présidentielle, fait passer Emmanuel Macron comme étant celui qui allait pouvoir à lui tout seul pratiquement arrêter la guerre en Ukraine. Et du coup, toutes les questions qui touche la vie quotidienne de nos concitoyens, à commencer par les plus jeunes, était mise de côté, quoi. Et je viens de lire quelque chose qui doit nous interpeller et qui porte sur ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Les jeunes sont de plus en plus anxieux parce qu'ils ne se projettent pas dans l'avenir à cause justement de cette prise de conscience de difficultés environnementales. Et cette éco-anxiété va forcément avoir des impacts sur la santé morale de nos futurs citoyens. Et du coup, ça doit nous interroger. Et on aimerait bien que Macron, justement, à un moment donné, interroge ce débat-là. Alors, heureusement, il va y avoir les législatives. Un tout petit truc sur ce que tu viens de dire. On en discutait tout à l'heure en préparant l'émission. Hein. Toi aussi, Alain, tu disais ça. On a été aussi anxieux il y a déjà 40 ans, hein, même passé, sur le fait que est-ce qu'on va faire des enfants, est-ce que le monde risque pas de tourner en sucette pour eux, etc. Enfin bon, voilà. On sait que ça va s'imposer forcément à nous, la crise écologique va s'imposer, hein, les problèmes climatiques, on est en phase malheureusement descendante, hein, les jeunes ont raison de s'inquiéter. Il y a des émissions de CO2 de plus en plus importantes. On sait que pour, disons, pour ne plus être au-dessus de nos têtes, elles doivent à peu près rester 10 000 ans. Hein. C'est-à-dire c'est au-delà quand même d'une espérance humaine, bien bien loin. Hein. 10 000 ans, et même après 10 000 ans, je crois qu'il en reste encore 10%. Donc on émet
beaucoup de CO2. On va avoir, à côté de ça, les limites planétaires au niveau énergie. Hein, c'est-à-dire, on arrive... c'est comme un chaudron, hein, la Terre. Hein, il y avait un certain niveau, disons, de réserve énergétique. Hein, si on puise dedans, et ben, au bout d'un moment, il y a un fond. Hein, et là, on a passé les pics, hein, la plupart des pics, d'énergie fossile. Hein, on est en phase descendante. Donc on sait que demain et après-demain, il n'y aura pas... Il peut y avoir, disons, une croissance telle qu'on nous promet parfois au niveau des politiques, hein, et que de plus, une croissance en plus serait néfaste par rapport au CO2. Donc on est vraiment dans un vrai problème qui se pose à nous, et les jeunes le ressentent beaucoup. Oui, mais alors justement, sur la psychologie, sur la philosophie de tout ça, les deux, psychologie et philosophie, moi je me souviens quand j'ai eu mes enfants, assez vite, ben, j'avais ce discours-là quand même. Attention, on ne sait pas exactement où ça part. Et je me souviens avec des élèves, puisque j'ai été prof aussi, des élèves qui me disaient « Oh, ça va, quoi. » Parce que, voilà, vous êtes sans arrêt en train de nous dire qu'on est cuit, qu'il n'y a pas d'avenir, que voilà, ça va mal finir, etc. Et nous, on vit comment là-dedans ? Et je crois qu'il y a eu... là, maintenant, on revient à nouveau sur « attention, attention, danger ». Mais il y a eu un moment où, et c'est complètement logique, hein, la vie, prenant le dessus, faisait que les gens, pour survivre, bah, il fallait qu'ils disent « attends, moi je, voilà, oui, il va y avoir un problème, oui, mais... » Il y a un avenir pour les jeunes, mais pas celui-là que les politiques nous envoient. C'est pas le message des politiques. L'avenir que les politiques nous envoient, c'est on va dans le mur. Il y a un avenir, c'est sûr, pour les jeunes. Mais il faut pas s'endormir et réagir. Eux, ils sont prêts à réagir. C'est les seniors, ceux qui ont le pouvoir, qui freinent les quatre fers, qui veulent continuer à produire et à consommer. C'est eux qui nous mènent dans le mur. Les jeunes, ils sont motivés. On l'a vu de suite après l'élection à la Sorbonne, ils ont bloqué la Sorbonne. Donc tous ces jeunes qui font des études, et qui ont la tête bien pleine, ils voient arriver le mur. Et c'est eux qui sont en première ligne plus tard. Parce que même Attali le dit qu'on va dans le Attali. Mur. Attali, oui, en face de Zemmour, dans une émission, il dit on va dans le mur, et à la fin du siècle, on ne sait pas comment ça va finir. Soit on va se taper sur la gueule, soit on sera tous morts, mais il y aura, c'est pas possible. Il dit c'est de ma faute ou il dit pas de la faute ? Non. mais on est, c'est même les Attali, qui bon, c'est pas un quelqu'un de gauche, il dit que ça peut pas durer comme ça. Ça peut pas durer, c'est pas possible. Et pour rebondir sur ce que tu dis, les jeunes, ils se contentent plus de paroles maintenant. Ça, c'est sûr, quoi, parce qu'ils ont quand même entendu plusieurs fois, pour ne citer que la personne que tu viens d'évoquer, dire oui, on va dans le mur, on va dans le mur, on va dans le mur. Bon, ça, ils, non seulement ils le sentent, mais ils le vivent, puisque bah, finalement, le changement climatique a commencé. Là, on vient de franchir, tu parlais de limite planétaire, là, tout à l'heure, on vient de franchir la sixième limite planétaire qui porte sur le cycle d'eau douce. Et ça devrait nous alerter, parce que c'est même plus une question d'être diplômé ou pas diplômé. C'est une question de survie, justement. Tu peux développer ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, une limite planétaire, déjà, c'est un calcul qui pose des limites que l'humain ne doit pas dépasser sous peine de ne pas pouvoir vivre durablement. Donc, effectivement, ça suppose d'être capable de se projeter, et donc de considérer l'autre, d'ailleurs, de se projeter donc dans un avenir. Et ça, ce sont des choses que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand t'as parlé des étudiants de la Sorbonne, que les lycéens et ou étudiants savent, parce que précisément on leur en parle. Et donc, l'éco-anxiété qu'ils peuvent vivre, elle peut avoir deux façons d'être surmontée. Ou bien, et ça ce serait l'objectif des capitalistes, ou bien ils vont s'emparer de cette peur du lendemain pour essayer de promouvoir une espèce de commerce autour de vivre pour soi, tranquillement, sereinement, etc. Mais ça, zen, voilà. Hein, c'est-à-dire, on change de l'intérieur, comme on dit. Hein. On change de l'intérieur, on respire doucement, et vous verrez, la vie ira mieux. Mais ils ne sont pas dupes. Parce qu'on s'individualise en même temps. Exactement. Mais justement, là-dessus, ils ne sont pas dupes, parce que ça fait 20 ans que le concept de développement durable leur explique que... en faisant des éco-gestes, ils vont changer justement le climat de demain, et bah, ils se rendent bien compte que c'est pas ça. Et donc la deuxième solution, qui est éminemment politique, c'est cette espèce de, justement d'éco-anxiété, cette peur de la transformer en moteur d'action politique.
C'est-à-dire, on retrousse les manches et éventuellement, on va justement se tourner vers des solutions qui sont en rupture avec la logique de la croissance dont tu parlais tout à l'heure. Tu vois quand même, dans tout ce qu'on est en train d'évoquer, hein, on est bien en train d'évoquer deux sociétés, en fait. Parce que tu as des gens qui sont en train de se poser la question de la consommation. On consomme trop. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas consommer, qui n'ont pas les sous pour consommer. Exactement. Donc on est vraiment dans fin du mois et fin du monde. Hein. Il y a les deux là, qui sont sans arrêt. On fait sans arrêt des allers-retours sur l'un ou sur l'autre. Mais c'est vrai que c'est très, très cruel, quelque part. Les gens qui étaient sur les ronds-points, quand tu leur dis attention à ce qu'on consomme, hein, quand même. Hein. Ça les fait doucement rigoler. Enfin, ça les consomme. Ils peuvent même pas consommer. Quoi. Donc, et c'est ça, je crois, qui est vachement difficile. Parce que, quelque part, Marine Le Pen, elle a surfé là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il y a entre guillemets, les gens qui ont des moyens, en gros, qu'on va qualifier d'élite, mais même si on ne parle pas de choses très, très... Il y a deux sociétés qui cohabitent. Et comment on fait pour arriver à remettre l'essentiel au centre, et l'essentiel étant comment on vit ensemble une planète demain. Moi, il me semble qu'il faut une rupture avec le capitalisme, parce que le capitalisme se définit par deux grands procédés, à la fois de productivisme, hein, il faut produire beaucoup, toujours plus, hein. Il n'y a pas de fin dans ce système, et à côté de ça, si on produit, ben, il faut des consommateurs, donc consommer beaucoup plus. Et ça, c'est anti-écologique. Hein. Mais on ne peut pas se permettre de puiser la Terre jusqu'à l'épuiser. Hein, c'est la règle verte, hein, que tu appelles différemment. Hein, la règle verte pose l'idée selon laquelle il s'agirait justement d'orienter les moyens de production en fonction de ceci. La capacité de la Terre. C'est ça. Je ne prends pas plus à la nature ce qu'elle est capable de régénérer. Après, peut-être que dans une décennie ou deux, on va dire, heureusement qu'on a eu le Covid, ça a tout freiné, ça a planté l'économie, là, en ce moment, en Chine, ils sont dans le dur, et du coup, il y a eu moins de PIB, moins de production, et finalement, ça nous a permis peut-être de gagner un peu du temps, et peut-être de réfléchir à un autre monde, d'une façon autre de consommer. On ne sait pas, peut-être. Jean-Claude dit que l'année du Covid a été une année de grâce. Hein, oui, parce que je crois qu'il a fait baisser de trois fois rien. Quoi, oui, mais peut-être qu'on aura plusieurs années comme ça. Il faudrait plusieurs années de Covid. Oui, mais c'est reparti pour cette année. Pour que les choses, disons, s'arrangent. Et que ce soit planétaire aussi. Avec la Chine, qui est quand même le gros émetteur de gaz carbonique, qui en ce moment pâtit, avec leur zéro Covid. Ils ferment des villes entières, et c'est pas des petites villes là-bas. Oui, peut-être bien que dans quelques années, on dira plus tard, le Covid, finalement, nous a permis de voir le monde autrement et de voir les choses par le bout de la lorgnette autrement et de vivre, réfléchir pour vivre autrement et consommer autrement et peut-être moins se déplacer. Il est sûr qu'il faut se poser. Voilà. Le monde a besoin de se poser et a besoin de réfléchir. En même temps, moi, quelque part, hein, ce que j'étais en train de tout doucement ramener, hein, malgré tout, c'est un petit dada, excusez-moi du dada, mais il y a une lutte de classe. On se la prend de façon majeure tous les jours. Quoi. C'est-à-dire, les gens qui sont en train de dire « bon, il faut qu'on soit plus responsable, plus éco-responsable », et les gens qui sont en train de dire « moi, je veux bouffer ». Il y a vraiment une lutte de classe. Alors, tu disais, Alain, il ne faut pas oublier l'humour là-dedans. Hein, parce que, il faut toujours garder de toute façon l'humour dans la vie. Il faut survivre. Et puis, c'est l'une des manières de lutter contre tous les maux, tous les drames du monde, hein, l'humour. Hein. C'est Charlie Chaplin qui l'a employé avec des films. Hein. Je crois que c'est une manière de faire des pieds de nez. Lui, il faisait des pieds de nez à Hitler. Hein. Voilà, je crois qu'il faut, il faut quand même toujours avoir de l'espérance, et même par rapport aux jeunes, là, comme on était en train de parler, je crois que tout n'est pas foutu. Par contre, on est dans les dernières années, il y a quand même des choses déjà irrémédiables, mais on est dans des dernières années, sans doute qu'avant.
2050 ou 2100, hein. Bon, quelqu'un comme moi, 2100, il sera mort, mais nos jeunes, eux, qui sont là, qui ont 20 ans, voilà, donc eux, pour eux, c'est leurs enfants, c'est leur lendemain, et c'est vrai qu'il faut se mettre à l'œuvre et qu'il faut lutter, moi je le dis, hein, et je pense qu'il faut absolument lutter contre le capitalisme, parce que le capitalisme nous tue, il nous asphyxie, il nous tue. Et il n'est pas écologique, ça c'est certain. Ce quinquennat a été très important, je trouve. Le basculement qu'on aurait pu avoir avec notre vision des choses était très important, parce qu'on a un point de bascule là. Tous ils le disent qu'on est un point de bascule, au point de vue de l'écologie et le réchauffement climatique. Et là, on est mal parti avec un président qui dit produire, oui, croissance. Tu l'imagines écologiste, lui ? Non, c'est après, voilà, il a ses visions de l'écologie un peu, voilà, pas capitaliste. C'est un jeune président, mais qui gouverne comme un très très vieux président. Oui. Ah ben, de toute façon, il gouverne aussi parce qu'il est élu par les vieux, hein. Parce qu'il est élu par le quatrième âge, même, presque. Ouais, les retraités qui se plaignaient de leur retraite et qui n'avaient pas augmenté et tout, et ben, ils ont voté encore pour lui. Alors c'est vrai qu'en face, c'était compliqué. Mais au premier tour, c'était pas compliqué, quoi. Après, au deuxième tour, évidemment, c'était, voilà, c'était bien mené par tous les médias mainstream qui l'ont bien propulsé et qui nous ont bien fait tenu la patate chaude. Maintenant, bon, voilà, on a un président qui veut produire. Et qui ne veut pas entendre raison, quoi. Et je pense que les 5 ans qui vont arriver, suivant si les législatives ne tournent pas en faveur d'une autre réforme, d'une autre vision des choses, ça va être compliqué. Ou il y aura beaucoup de monde dans les rues et on va vraiment, ça va vraiment barder. Ou on va peut-être aux législatives, peut-être renverser la table. Parce que pour l'instant, le silence est assourdissant de la part du pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas où il va. Oui. Il attend de voir comment se profilent les législatives avant d'annoncer quoi que ce soit. Ouais. Alors, on ne sait absolument pas où il va, effectivement, pour les raisons de législatives, tout en entretenant quelque chose qui est marqué dans les esprits, à savoir qu'une fois que la présidentielle est passée, les pleins pouvoirs sont au président, donc il n'y a plus rien à faire. Alors qu'en fait, c'est complètement faux, puisque justement, les législatives, elles sont d'une importance capitale, et même, elles sont... C'est le Parlement qui a le pouvoir, normalement. Exactement. C'est le Parlement qui a le pouvoir. Et donc, de fait, il est encore possible de changer les choses. Et quelque part, lui, il aurait pu... Il a 100 jours, en fait, entre le moment où il est élu et le moment où le Parlement devient... la référence du pouvoir. Et en fait, il a pas, pour l'instant, il n'a pas fait. Il n'a pas commencé à faire des choses. Donc, je pense qu'il suppose qu'il aura les législatives pour lui et qu'il pourra après faire pleinement tout ce qu'il a envie. Oui, mais enfin, bon, on l'a vu la dernière fois, les 5 dernières années, avec des députés Godillot qui votaient systématiquement. Et les compatissants, et les si, et les complaisants, et tout ce qu'on veut. Ah, mais il y a beaucoup de cons, là, dans l'histoire. C'était une catastrophe. Voilà. C'était des plus mobiles. Ils ont monté des petits trucs à côté, ils sont un peu réfractaires, donc ils ont monté des trucs, mais à la sortie, ils votaient les mêmes choses. Donc c'était vraiment du pipeau, c'était pour amuser la galerie. Ben, c'était pas vraiment des gens convaincus. Ils n'avaient pas vraiment, disons, des idées politiques réfléchies, déterminées. C'est des gens qui sont retrouvés députés du jour au lendemain sans vraiment avoir de convictions politiques. Absolument. Et du coup, ils ont renforcé d'ailleurs la défiance dans les institutions. Et puis en servant des grands discours et en rendant responsable tout le monde de la même manière, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de ce qui est écologiquement responsable, la responsabilité, on ne peut pas l'attribuer de la même façon à tout le monde, parce qu'effectivement, quelqu'un qui n'a pas les moyens de consommer, son empreinte écologique, elle n'existe pas, quoi. Par contre, celui ou celle, et souvent ce sont justement des gens qui ont voté Macron, hein, qui ont les moyens, parce qu'on continue de baisser les prix, par exemple, sur les billets d'avion, plus on va loin, moins c'est cher, en fait. Hein. Donc voilà un exemple typique, justement, de mesures anti-écologiques, qui pourrait être largement mise de côté si on changeait justement la typologie. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, excusez-moi, il nous reste un peu plus de 5 minutes. Moi, il me semble quand même que c'est très important qu'on puisse aussi parler du fait, ce que tu disais tout à l'heure, Denis, sur le fait que le SMIC augmente, oui. Hein, puisque là, on se retrouve avec un SMIC à quasiment 1300 euros. 1300 euros, voilà. Oui, pas quasiment. Donc, on est proche de ce que
proposer peut-être Mélenchon un peu en dessous, mais bon. L'Union populaire. Et alors, en même temps, il y a plein de petits patrons qui viennent expliquer qu'il faut arrêter parce que c'est la panique, etc. Et il faut baisser les charges sociales. Voilà. C'est toujours le même leitmotiv qui revient. Alors, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut qu'on arrive à expliquer rapidement, là, dans les 5 minutes. C'est, d'une part, il y a quand même des gens... la plateforme des services de société cotée au CAC 40, qui s'appelle Scalence, estime qu'en 2021, le salaire global moyen des patrons du CAC 40 se va doubler pour atteindre 8,7 millions d'euros par an. Hein, c'est-à-dire, en gros, 540 SMIC. Donc, d'une part, il nous explique que voilà, il faut pas qu'on continue à monter le SMIC parce que c'est l'horreur. Et en même temps, ces gens-là doublent leur salaire. Enfin bon, voilà, c'est insensé. Et puis, il y a derrière aussi tout le débat sur les retraites. C'est-à-dire qu'on sait bien que Macron va vouloir essayer de récupérer des cotisations de la sécurité sociale. C'est ce que tu disais, Alain, excuse-moi, je squeeze un peu ce que tu disais. Il va récupérer les cotisations pendant 3 ans de gens qui vont passer de 62 à 65. Et cet argent ne va pas servir aux retraites. C'est pas vrai, parce que les chiffres des retraites, c'est à l'équilibre. Ça va servir à nouveau à baisser, par exemple, les cotisations sociales, donc donner l'illusion qu'on est augmenté, etc. Et puis on sait que les travailleurs, beaucoup de travailleurs qui ont des métiers pénibles, meurent. On meurt plus jeune. Oui. On profite moins de la retraite, on va dire, quand on est des métiers pénibles que lorsqu'on est cadre ou patron. Oui, mais il y a double lame, là, parce qu'en plus, les travailleurs qui s'habitent dans les... Qui font du physique, en général, n'habitent pas dans des villas super luxe, donc habitent dans les cités, et les cités qui sont moins médicalisées, donc en plus, ils sont mal soignés, et quand ils vont au médecin, c'est trop tard. Voilà. Donc en plus, leur mortalité, à cause de la casse de l'hôpital et des manques de docteurs et de spécialistes, du coup, ils sont encore pénalisés une deuxième fois. Donc on se retrouve avec la double lame. Un, parce qu'ils sont pénibles et que le corps est fatigué. Deux, parce qu'il n'y a pas de service médical derrière. Donc on se retrouve avec des gens qui, 65 ans, hein, Seine-Saint-Denis, il y avait une étude entre la Seine-Saint-Denis et Neuilly, on va dire, les quartiers riches de Paris. Les médecins, c'était du 5 fois plus. Et l'espérance de vie dans la Seine-Saint-Denis était beaucoup plus bas qu'à Neuilly. Donc ça n'en finit plus, quoi. Parce qu'on est toujours dans la même logique, quels que soient les exemples, hein, Macron, c'est mettre l'humain au service de l'économie, alors qu'il faudrait impérativement, et c'est ça la rupture avec le monde d'aujourd'hui, c'est impérativement faire l'exact inverse, à savoir mettre justement l'économie au service de l'humain. Moi, je crois qu'il faut que les gens se posent la question, c'est que le travail a un sens, et il doit avoir un sens pour tout le monde, y compris, bien sûr, pour les travailleurs, puisqu'ils sont à la base même du travail. Hein, à commencer par eux. Donc, voilà. On doit aller sur son poste de travail avec une certaine joie quand même, hein. Et puis on n'est pas fait que pour travailler non plus, hein. On a quand même le droit au repos. Moi, une fois, j'avais rencontré un jeune qui me disait: je travaille 17 heures par jour. Je lui dis: mais attends, arrête, quoi, 17 heures par jour, ça, on est dans l'inhumain, quoi. Le gars, il lui reste quoi, quelques heures pour se reposer et puis pour repartir. Je lui dis: mais tu vas tout casser, y compris ta famille, hein. Il n'y a plus de vie affective, il n'y a plus rien, quoi. Le mec, il mange et il repart au boulot. Mais sans aller jusqu'à cet extrême que tu expliques, il y a plein de gens qui sont là maintenant en train de travailler pour pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture pour pouvoir aller travailler. Hein. On en est là, quoi. Donc, pour en revenir sur ce que disait Michel, sur les cotisations, les charges patronales, justement, Macron, son programme, c'est 15 milliards d'économies. Ben c'est ça, les 15 milliards d'économies qu'il veut faire, c'est moitié sur les prix, les foyers, moitié sur les entreprises. Donc ça va être des cotisations, des charges qui vont baisser. Les charges patronales, les patrons vont être contents parce qu'ils pourront augmenter le SMIC et ça leur coûtera rien. Et les cotisations sociales que payent les salariés, ce sera de l'argent en moins pour les retraites, pour la CAF, pour le RSA, pour tout ce qu'on veut, pour le social, pour le médical. Et voilà, on arrive à... ça va faire le bonheur de tout ce qui est pour privé, pour s'assurer, et ça va faire le malheur de ceux qui ne peuvent pas payer. Parce qu'en même temps, Macron a chiffré tout ça auprès de la Commission européenne, c'est-à-dire il a dit: attends, ne vous inquiétez pas, hein, je vais baisser un petit peu tout ce pognon de dingue. On va revenir aux 3% du déficit. Oui, pognon de dingue, seulement lui, c'est quand même...
il s'oublie jamais, hein, quand même. Il a fait 3 ans chez Rothschild. C'est plus la fortune qu'il a mis de côté, mais enfin, disons, lui ne s'oublie pas, en tous les cas. Il nous reste 1 minute, à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on on développe dans la minute qui nous reste? Ben, vous ne trompez pas. N'oubliez pas de voter pour les législatives. Et puis, essayez de réfléchir avant de voter. Surtout, c'est essentiel, stratégique. Ce qu'on nous propose... ce que nous proposer les députés, enfin ceux qui vont se présenter pour être députés. Surtout pas faire la même connerie que la dernière fois, hein, puisque la dernière fois, on a laissé 300 députés plus que ça pour Macron, qui a fait ce qu'il a voulu pendant 5 ans. Il faut essayer d'inverser la vapeur et de faire un contre-pouvoir. Moi, je dirais, la politique est un champ d'intérêt. Eh bien, posez-vous la question, où est votre champ d'intérêt? Si vous êtes ouvrier, salarié, où est votre champ d'intérêt? Et puis pensez à vos enfants. N'allez pas raisonner à la place du patron. Pensez à vos enfants et aux petits-enfants. Raisonnez à votre place ou à votre champ d'intérêt. C'est-à-dire que vous avez avantage à partir tôt à la retraite, vous avez avantage à gagner correctement votre vie. Et surtout, ce qui nous coûte cher, sur ce que je disais sur le salaire des gros patrons, hein, c'est pas l'émigré qui est à côté qui est au RSA, dont qu'on veut encore un peu plus punir, hein, puisque c'est en gros ça qu'ils sont en train de nous dire. C'est le mec qui gagne 540 SMIC, quoi. C'est fou, quoi. Il est normal qu'il y ait des gens qui gagnent 200 ou je sais pas combien de fois plus que le SMIC, quoi. Et en plus, on n'a pas des besoins humains à ce niveau. Leur pognon, ils partent dans les paradis fiscaux. Hein. En plus. Voilà, il faut arrêter ça. Mais ils partent dans les paradis fiscaux avec l'assentiment de Bercy. Il ne faut pas non plus, Bercy se ferme les yeux. Votez bien. Votez bien. Donnez un sens à votre vie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.